Fallait que je fasse du rock à un moment donné. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, il fallait juste que je le fasse. Tu sais, j'écrivais des chansons et ça allait plus nulle part. Là. C'était pas des chansons nécessairement pour les babies non plus. Je voulais pas juste les laisser âgés puis de les ignorer. Tu sais, fallait faire un projet avec. Scratch ticket. Hoping she'll make it to 93 door, she knocked on to... J'avais un plan de vouloir faire juste une série d'albums sous un nom qui s'appelait Le Roi et ses Sauvages. Puis ensuite de ça, quand j'ai parlé à Danny Placard qui a réalisé les EP et l'album les deux premiers, je l'ai trouvé un nom qui était un peu plus féminin. Puis qui était pas nécessairement juste Vivienne Roy, parce que sinon ça allait juste toujours être Vivienne Roy des Babies, Vivienne Roy des Babies. Donc c'est ça, je voulais vraiment commencer scratch avec quelque chose de nouveau. Donc j'ai fait ça. Je l'avais vu jouer au festival de la chanson de Tadoussac. Puis ensuite, on s'est rencontrés pendant les Francs ouvertes à Montréal en 2013 ou 14. J'étais un des juges. Là, il a entendu mon stuff sur là, puis il m'a demandé ce qu'il pouvait réaliser mes affaires. Puis j'ai dit, OK, so, ça a commencé une beautiful friendship. Et en même temps, je voulais apprendre à réaliser des albums depuis l'âge de 12 ans. Donc, ça m'a donné la chance, quand je commençais à travailler avec Danny, de apprendre. Donc, puis après ça, je viens de réaliser le dernier qui est sorti. Je check les nouvelles et tout. Je bois mon café. Ma guitare est toujours près là. Il y en a tout une alentour. Puis ensuite de ça, mais là, alentour de midi, il faut que je sois en train de commencer à travailler sur quelque chose. Sinon, moi, ça me tente pas d'attendre jusqu'à ce qu'un label te demande pour un album. Moi, ça me tente d'être créatif puis d'être productif. Donc, unfortunately, l'album a été beaucoup acheté dessus la campagne électorale des États à cause que. C'est surtout ça que je lisais chaque matin. Puis en même temps, c'était une passe un peu dark. Puis donc l'album se passe beaucoup de ça. America the Beautiful. C'est ça. C'est genre une chanson, pas une hymne, mais c'est un thème quand même qui revient souvent à l'Amérique, comme à l'Amérique, aux États-Unis. Puis. C'est très important d'ajouter les guillemets à The Beautiful parce que c'est pas nécessairement beautiful. Puis l'album est juste un sarcasme de les États. Mais faut pas croire que je suis une hater des États non plus. Tu sais, j'étais là juste. Tu sais, j'y vais souvent quand même. Puis les gens sont super quand même. C'est juste qu'il y a un hostie de camp qui fucking détruit la planète basée à Washington DC. C'est à propos de le. C'est arrivé quand c'était le Muslim ban, que Trump est en train de mettre un ban sur les musulmans. Puis j'avais lu une histoire à propos d'une femme qui habitait à New York, qu'elle a été voir sa famille en Iran. Puis elle est revenue aux États, puis ils l'ont pas laissée. Puis en plus de ça, elle avait son chien là-bas. Elle avait comme toute sa carrière, c'était une journaliste. Puis soudainement, elle s'est fait bloquer. Que
tu sais, moi, ça m'a vraiment comme... Tu sais, j'ai trouvé ça incroyable. Depuis le dernier album des Babies que je voulais faire une chanson dessus des aliens. Puis je voulais faire aussi des témoignages que ma mère a eu. Puis ma grand-mère aussi a déjà témoigné. Elle m'a déjà fait un témoignage qu'ils ont vu des UFO. Ouais, pas un alien, mais un ovni. Donc, c'est alien, c'est juste parce que c'est facile à s'en rappeler, mais c'est tout à propos d'un ovni d'enfant. Puis. Donc c'est ça, j'ai commencé avec, avec le beatbox, puis j'écoutais beaucoup de musique gothique, puis du électro-gothique aussi, puis je voulais faire quelque chose un peu gothique mais disco. J'écoute toujours un peu de tout, mais j'ai jamais comme à fond dans quelque chose totalement. Mais j'écoute The Feelies, j'écoute David Axelrod, qui est un grand compositeur de jazz. J'écoute beaucoup Angel Olsen, que j'ai vu la danse de ça, lui c'est en fait. J'écoute beaucoup de Wilco, Feist, Julie Doiron, Spoon. C'est comme toutes mes références habituelles. King Gizzard and the Lizard Wizard, toutes sortes d'affaires. Beck, il m'a marqué depuis que j'ai 5 ans. Puis, j'étais trop jeune pour demander pour un album de Beck à mes parents. T'sais. Mais c'est ça m'a tout le temps resté en tête.